Je m'appelle Raphaël Roussel, je suis auteur à l'École nationale de l'humour, finissant 2020. Je dirais que j'aime bien travailler avec les codes, bouger un peu les codes. On voit, j'ai fait des trucs un peu parodiques et j'aime bien tweaker ces codes-là et m'amuser avec, échanger le truc en fait. Dans l'écriture, entre autres, j'aime beaucoup ces moments de malaise, des moments où c'est pas clair ce qui se passe. Un peu comme là, en fait. D'abord, qu'il faut savoir lâcher prise. À un moment donné, quand les choses marchent pas, ben ça marche pas, puis c'est correct. Une autre affaire aussi, c'est que j'ai appris que j'étais un gars de situation à la base. J'écris des situations. C'est ça qui me nourrit. Et je pense que mes textes manquaient de gags ou de gagounets. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à travers dans le cours. Ça manquait de gagounets avant. Non, ça n'a pas été trop difficile. On a fait un show. On a produit quelque chose. Ça a été vu. Ça a été entendu. Je suis fier de ça. Il y a un sketch moi, que j'ai trouvé qui s'est particulièrement bonifié. Au spectacle, c'est War Room, qui est une parodie de film d'action, si on veut. Et ce sketch-là a été écrit avec une atmosphère, puis l'atmosphère a été recréée sur scène à coup de tant. Vous, là-bas. Moi? Oui, vous. Que feriez-vous si vous étiez président des États-Unis d'Amérique? Madame la présidente, si je puis me permettre, ce n'est qu'un stagiaire. Le neveu de mon cousin, en plus, pas une lumière. Allez-y, mon petit. Comment pouvons-nous sauver la civilisation? En ajoutant un peu de fruits dans les réunions. De fruits? J'ai toujours pensé que c'est très étrange qu'on ait droit à des fruits à la cafétéria, mais pas en salle de réunion. Si on avait aussi des fruits en réunion, on n'aurait peut-être pas tous une baisse de sucre comme en ce moment. On serait peut-être plus inspirés du coup. Le neveu d'un cousin très éloigné, je tiens à le préciser. Même si c'était une mise en lecture, on était dedans. Et je trouve que ça a été une belle transposition. Ta nation. Tu vois ce que je veux dire.